Nous sommes en forêt départementale de Méridon qui se situe sur les communes de Chevreuse, de Saint-Rémy-les-Chevreuses et de Choisel. C'est une forêt de 189 hectares qui s'étend en partie sur le plateau de Limours et en partie sur le coteau sud de l'Yvette et qui domine la vallée de Chevreuse. Et c'est ici que vous pourrez découvrir le conte de Mélida, l'esprit de la forêt. Il se dévoile le long d'un parcours de quelques centaines de mètres et commence par ces mots. Un matin brumeux, Martin, jeune bûcheron, se rendait dans la forêt de Méridon pour son premier jour de travail. Alors qu'il s'apprêtait à abattre son tout premier arbre, il entendit une voix inconnue et inquiète. « Es-tu sûr de vouloir couper ce chêne ?» C'est à travers plusieurs panneaux que se raconte ensuite l'histoire de ce bûcheron et de Mélida, une promenade aménagée à l'initiative du département des Yvelines, une invitation à la rêverie en forêt qui se conclut par quelques notes de musique. Là, on arrive aux œuvres musicales, aux sculptures sonores, qui sont réalisés en bois. Donc là, c'est le xylophone, qu'on appelle aussi le piano de bois. Il est entièrement en chêne et chacune des planches donne une note bien précise, ce qui fait qu'on peut jouer une petite mélodie sur le piano. Plusieurs réalisations de Wilmenter, artiste anglais et ancien musicien, sont ainsi accessibles au public, une façon originale de découvrir le site de Méridon et d'en savoir plus sur sa faune et sa flore. L'idée, c'était de proposer quelque chose en entrée de site et de faire rêver et d'interpeller le promeneur de façon originale. Voilà, c'est quelque chose qui est peu courant encore de commencer sa visite par un conte, et ça permet de toucher tout type de public, bien sûr un public familial, les enfants, des plus petits jusqu'aux un peu plus âgés, mais aussi un public adulte parce qu'en fait ça réveille en nous notre âme d'enfant, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Le parcours est ouvert toute l'année depuis l'automne dernier et mettra vos cinq sens en éveil.